Salut, moi c'est Malouen. J'ai choisi de devenir conducteur routier. Un métier qui me branche depuis tout petit. En plus, je sais qu'en transport logistique, il y a du boulot. J'ai choisi de faire un CAP conducteur routier au lycée Guy Mocquet-Lenoir. Pour les personnes en reconversion, il y a le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises poids lourds ou super poids lourds proposé par le Greta CFA. Moi j'adore ma formation et pas besoin de GPS pour aller en cours. Tiens, je suis moi aussi au lycée Mocquet-Lenoir. Il faut dire qu'ici, on a le choix. Du CAP au bac général, bac techno, bac pro et même des BTS. Je m'appelle Gwendoline et j'ai opté pour le BTS gestion de la PME. PME comme petite et moyenne entreprise. Pour t'expliquer, c'est de l'administratif, mais avec une vision à 360 degrés. Relations avec les clients, les fournisseurs, gestion des ressources humaines, planification, etc., etc. Le tout avec des responsabilités. Pas le temps de s'ennuyer et l'idée c'est de permettre à l'entreprise de bien tourner. Faire en sorte que tout se passe bien, c'est également ma mission. En prenant soin des autres, de leur santé, avec ce travail d'équipe. Moi, je suis Louane et je veux aussi devenir infirmière. Et c'est possible sur Châteaubriant, car au centre hospitalier, tu as l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, et l'IFAS quand tu veux devenir aide-soignant. Et en plus, la formation est en 3 ans et en alternance, et elle est encadrée par des professionnels de santé. Avec de nombreux stages. Moi aussi, j'ai choisi un métier très terre-à-terre. Avec l'enseignement agricole et ses nombreuses possibilités. Le CAP métier de l'agriculture, la production animale, grande culture, des bacs pro, le bac technostav, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Et des BTS comme le BTSA, génie des équipements agricoles. Car l'enseignement agricole ouvre à plein de métiers. Faut voir le champ des possibles. Moi j'ai choisi le BTS AXE, ça veut dire analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole au lycée Saint-Clair de Derval. C'est possible en alternance, mais j'ai choisi la voie scolaire car tu as tout plein de stages dans tout plein d'entreprises. Derrière, je peux m'installer à mon compte, je peux être responsable d'élevage, contrôleur laitier, conseiller en environnement et bien d'autres choses. Mais avant tout, il faut être passionné, on est d'accord? Ce qui me plaît, moi, c'est le commerce. Faut dire que j'ai le sens du contact. Ici, sur le territoire Châteaubriant-Derval, tu trouveras des diplômes de différents niveaux d'études dans différents établissements. Moi, j'ai fait le choix du titre professionnel manager des univers marchands à la maison familiale rurale. Parce que c'est en apprentissage, en une année, et après le bac pro. Sur une même semaine, tu es en cours, et puis en entreprise. Idéal pour appliquer directement ce que tu apprends, le management, la communication et la gestion d'entreprise, pour devenir plus tard responsable de magasin. Moi, je me vois bien commercial, chargé d'affaires ou de clientèle. J'ai choisi de faire le BTS négociation et digitalisation de la relation client à l'institution Saint-Joseph. Tourné comme son nom l'indique vers le digital, le e-commerce et la négo. On a des stages, des partenariats avec des entreprises qui nous permettent de nous former en milieu professionnel. D'ailleurs, une fois ton BTS en poche, tu pourras faire comme moi. Une troisième année avec la licence 3 vente commerce marketing du CNAM. C'est une vraie chance. Car cette formation en alternance me plonge dans de vrais cas concrets en entreprise, comme par exemple la mise en place d'une stratégie marketing, commerciale, de la distribution, de la gestion et de la com. Et ce que j'aime, c'est que les cours se font depuis mon domicile en distanciel ou alors directement au quai des entrepreneurs. Tu connais le quai ? Bien sûr que je connais. Surtout son campus connecté et ses 620 formations dispensées par près de 40 universités françaises et centres de formation. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Le tout à distance depuis Châteaubriant avec un rythme adapté à tes besoins dans ce lieu connecté et convivial. Alors si tu es en terminale, étudiant, demandeur d'emploi ou salarié en quête de reconversion, eh bien, n'hésite pas. Viens te former à Châteaubriant-Derval.